You are watching the Legion GTX GeForce Challenge here live. Different regions fight out to see who is the best. Before we start, let's have a look at the scores, because we do have, this is our third game, so we do have Spain and the UK who are in front, who have beaten their opponents and now have 1 point. France and Italy are behind. We are going to be joined on stage in a second by our two next teams, which are going to be the CIS team and the German team. But before that, on aimerait remercier les Français de leur patience. So let's welcome right now this team that we are hoping to see at the top of their form, Germany! And I am joined by Nuki, the captain. Your team are looking great. Are you guys prepared for this on Destiny 2? Is this one of your good games? Hopefully we will put in a good fight. Yeah, I think we're prepared. Let's see what the other guys are bringing on the table. Now, there are 8 different challenges with 7 games and a PC build. Is there one thing, one of those challenges that you are dreading, that you are not looking forward to? Yeah, I don't want to really point out our weaknesses here, but maybe Rocket League or Pro Evolution Soccer. We will see the controller game, so yeah. Do you trust that your team can be the best in this 2 days of competition? We are aiming for the win, obviously. Hopefully, we will be prepared, and we will see what my teammates can do and what we will bring. Perfect. I'm going to let your teammates get ready. I'm going to keep you, Nuki, with me as we welcome on stage their opponents for this third game of Destiny 2, which is Team CIS. With the captain, We Love Games, Dennis. How are you doing? Is your team ready for this matchup? They definitely are. We are happy and excited to be here today. Okay. And yeah. Okay. They seem very pumped up indeed. Do you have a strategy today to try and come out victorious of these games? Just working as a team. That's our main priority. And have you practiced as a team then? Sure. Absolutely. Confidence is key. Let's see if confidence will work out. Guys, you can go and get ready. I am going to keep the captain here, and we are going to find out together who has the handicap. I'm hopefully waiting for my earpiece to tell me who has the handicap as we discover it on stage here. So you voted for either A, B, or C, so either one team, both teams, or... Okay, so it's going to be both teams, apparently. Okay. So, guys, how are you feeling about standing up while you're playing? Staying while playing. Oh, that's good, because we're setting down like 30 minutes, so now it's time to stay up. Perfect. How about you guys? I'm too old for this. Too old for this. Okay, fair enough. Well, guys, let's see how you manage this. We're looking for a very nice game. Good luck. And our captains are joining their teams, going in-game ready, and to join us, to bring us right into the heart of the action, we'll be joined by the casters. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce Légion GTX Challenge. Si vous venez de nous rejoindre, merci de votre patience. Oui, vous avez été extrêmement patient. Vous avez été parfait et surtout gentil. Vous êtes des animaux, bien sûr. Et ça nous fait plaisir. Incroyable, nous sommes de retour, donc c'était compliqué, c'est tout simplement car nous n'avons pas ici même des PC Lenovo. Et malheureusement les PC Légion ne sont pas en notre possession sur ce casting desk, et c'est pour ça que nous avons eu des problèmes techniques. Tout ceci ne serait jamais arrivé dans le gros studio, malheureusement, mais... cette audience ne mérite pas le gros studio, malheureusement. Oui, donc, tout à fait, mon cher. Ce sera pour ici. Adrien, alors on a eu des retours de moment défaite française, bien entendu, 4-1. Nous avons croisé le joueur franco-espagnol qui nous a expliqué qu'ils étaient partis pour une victoire sur en fait la quelque première chose game. Comme une première game, et on leur avait mal expliqué le jeu, visiblement, mais la faute à qui? Ont-ils pas assez joué? En fait, sur la première game, ils étaient 3 contre 1, et ils n'ont pas compris que quand le timer touchait le bout, ils devaient conquérir une zone. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu la première game, peut-être dû à leur absolue absence d'entraînement sur le jeu. Certains manques de préparation, c'est vrai que ça aurait peut-être pu être évité s'ils avaient fait ne serait-ce qu'une seule partie. C'est vrai. Mais bon, ce n'est pas le cas. Alors, pendant que nous discutions et
que nous essayons de régler les problèmes techniques, vous le savez, nous avons été très actifs, vous l'avez vu sur Twitter, eh bien, il y a eu un match qui s'est terminé entre l'Angleterre et l'Italie, gagné par l'Angleterre. Oui, gagné assez aisément. Assez aisément, pas tant que ça, hein. Il y a quand même eu deux manches marquées de la part de l'Italie. Comment ça? Ce qui est mieux que la France. Je devais être en train de manger les financiers. Non, nous réglions les problèmes techniques. Bon, en tout cas, tout a l'air d'être réparé maintenant, du moins... pour l'instant. Il nous manque plus que le retour, c'est imminent. Voilà. Les équipes techniques travaillent d'arrache-pied. Puisque pour l'instant, nous ne pouvons pas. Nous ne voyons pas les games. Mais même sans voir les games, je pense que notre commentaire sur Destiny 2 restera de même qualité. Restera fidèle. Mais Zyona, on a compris, cette histoire de zone à conquérir sur la fin du timer. Et ça, c'est pas rien. On avance. Je pense qu'au dernier match, nous aurons compris toutes les règles de ce jeu. Quand ça sera terminé. Et quand ce sera terminé, on sera prêt pour commenter un match. On sera disposé à Il y aura absolument aucun problème. Bon, sachez en tout cas que là, vous allez voir un affrontement entre l'équipe allemande et l'équipe du Commonwealth, bien sûr, des États indépendants. Sachez d'ailleurs que les Allemands, ça fait donc 2 mois qu'ils s'entraînent en boucle. On a entendu évidemment le capitaine allemand qui a clairement dit on s'est entraîné très très dur pour l'événement. Donc, ça fait 2 mois qu'ils tryhardent. Voilà, ils ont dit on vient pour gagner, on s'est entraîné, on a tous joué au jeu ensemble et tout. Et c'est contre eux qu'on va jouer Overwatch. Voilà, juste après. Le match France-Allemagne sur Overwatch va être incroyable. Une boucherie, un Baptiston, le comeback. Incroyable, un live show. Des lumières se mettent en place. Des gogo dancers, des cracheurs de feu. Il se passe des choses dans ce studio. Voilà, ça va vraiment être un grand moment de liesse France-Allemagne. Terrible boucherie. Mais pour l'instant, concentrons-nous bien entendu sur Destiny 2, jeu qu'on maîtrise maintenant à la perfection. Absolument, Xavier. Jeu de Blizzard Activision, société. Incroyable. Société qui fleurit, une start-up. Une petite start-up américaine qui fait des jeux vidéo dans son garage, comme tout bon développeur, et qui arrive de bout en bout à aligner quelques lignes de code. Alors peut-être que nous allons avoir effectivement le retour qui va s'afficher de notre côté pour vous commenter ce match. Alors il faut savoir que vous avez aussi un petit waiting screen de 10 minutes, donc un écran d'attente pour les plus anglophobes d'entre vous. Un écran d'attente de 10 minutes afin de régler les soucis techniques, puisque visiblement nous n'étions pas le seul stream à avoir quelques soucis. Et que tous les streams évidemment s'alignent à nouveau, tels des fions alignés face aux astres. C'est ça, parce que vous savez que c'est pas si simple. Oh bonjour, salut à toi. Ah. Alors, en fait vous savez c'est pas si simple, parce qu'en fait en gros il y a une régie qui envoie un flux avec tout le jeu à 8 streams différents de 8 langues différentes pour l'événement. Donc c'est un setup assez particulier. C'est des setups qu'on fait en général pour des compétitions énormes qui rassemblent des millions de joueurs. Et c'est le clean feed avec un réalisateur et des réalisateurs pour chaque stream. C'est ça, exactement. Et donc vous avez une régie par stream. Et donc c'est quand même beaucoup de matériel et tout ça. Il faut le synchroniser. Tous les casting desks sont ensemble et tout. C'est quand même pas un setup assez évident. Courage aux techniciens évidemment qui luttent, mais qui font un travail acharné pour que tout se passe extrêmement bien. Ils sont à côté de nous, nos régisseurs français. Alors, je ne sais pas trop où on en est sur le programme, puisqu'alors visiblement, on a un retour, mais de nous maintenant. Alors oui, tout à fait. C'est en attendant, évidemment, que nous ne l'avions pas. Mais moi, ça me va. Écoutez, j'adore me regarder. C'est vraiment incroyable. Mais tu disais, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Ma foi, tu t'interrogeais sur le programme, mon cher Adrien. Il reste normalement 3 matchs, non? 3 matchs de Destiny. Je vais te demander de te calmer immédiatement. Nous avons donc les 6 contre les Allemands, puis la Pologne contre les pays nordiques. Oui. Et ensuite, ça sera déjà la première épreuve de montage de PC. Alors, j'ai vraiment hâte de voir ça, Xavier. Je t'avoue ça va être très très rigolo à commenter. Parce que eux, ils ont un petit peu vu les coulisses des montages de PC hier, visiblement. Ils ont regardé un petit peu comment ça se passait. Alors, Moment a été très observateur. Il a donné quelques tips à visiblement l'un qui était Racide, qui s'occuperont du montage de PC pour la Team France. Incroyable. Et voilà. Alors qu'on m'indique que la game est lancée, on va directement match. Nous y sommes en exclusivité, Survival. Tout est là, nous y sommes. Les Allemands, DE bien sûr. Alors, Deutschland. Équipe allemande contre équipe du Commonwealth qui joue debout. Ah, avec le capitaine qui vous a marqué par sa voix profonde. Ah ouais, j'avais rencontré au Partner Summit de Twitch à Londres, We Love Games. Il a une voix extrêmement stylée. Caster très populaire en Russie. D'ailleurs, j'ai vu des chats russes en passant le voir. Ouais. Et ma foi, le chat russe n'est pas en reste au niveau de la dégueulasserie. Ils sont très très actifs.
et très enthousiaste. Comme vous avez pu l'être sur le chat anglais, alors qu'il y avait quelques soucis de flux. Mais bon, ceci ne serait jamais arrivé dans le gros studio. Les relations franco-bro et britanniques au plus bas, grâce à vous. Mais ceci ne serait jamais arrivé dans le gros studio. Bien entendu. Puisque la communauté ne s'est déchaînée qu'à partir du moment où le live s'est éteint. Voilà, Wheel of Games, justement, ils ont l'handicap. Provoqué. Enfin, tout le monde a l'handicap, là, tout le monde joue debout. 1 minute. Oui, absolument Xavier, 5 vies à 5. Alors vous voyez donc le compteur tout en haut, et il reste une cinquantaine de secondes. Et alors en fait si on arrive à 0, il y aura une zone à grosse capturer domination. Pour déterminer le vainqueur. Alors que pour l'instant en effet on voit que les CIS sont en train de dominer. Hop, 4 à 1. Nous assistons à la mort de Rudy. 4 à 1 avec le dernier respawn disponible. Mais voilà, le respawn, si le timer arrive au bout. Voilà, c'est ça. Non, en fait, le respawn s'utilise dès la mort. Ah oui, tu as raison. Et enclencher le respawn. Et voilà, à la fin du countdown, finalement, ce qui va compter, c'est cette histoire de zone. Plus que les kills, s'il n'y a pas d'exécution sommaire de l'équipe adverse. Incroyable. Alors que les armes à feu se déchaînent, et que les joueurs se déplacent. Les tirs sont nombreux et les barres de vie fondent comme neige au soleil dans ce décor éternel. Les barres de vie se déplacent. C'est ça, 0 seconde, life advantage. Ils ont l'avantage de la vie et ils vont devoir rusher. Et non. Voilà. Voilà, je pense que tout est clair. Et c'est donc 1-0 pour les 6. Maintenant que tout le monde a compris. Non, parce qu'en fait, la seule fois où il y a eu la zone capturée, c'est parce qu'il y avait 0 vie à 0 vie. Tout à fait, exactement. Et on se disait, il reste une seule personne, nananana. Et en fait, il avait capturé la zone et c'était l'échec. Mais là, il y avait le life advantage. Et du coup, incroyable. Il y a eu la victoire. Est-ce que tu as compris, Xavier? Tout est clair maintenant. Tout est clair. Je suis prêt à jouer à Destiny 2 anytime. Anytime, anywhere. Et voilà, nos amis allemands, hein, alors surprenant, alors on sait aussi, voilà, on le sent bien que c'est, cette conglomération d'États indépendants n'est pas venue là pour enfiler des perles et cueillir des fraises. Xavier, c'est un massacre, déjà 5-3, hein, encore une fois, l'équipe allemande prise à partie, qui arrive à faire quelques objectifs, mais finalement, à revenir j'ai l'impression, puisque l'équipe CIS n'a plus que 2 vies, donc au moment où je commençais à m'engager, eh bien on voit que ils inversent la tendance. Donc bravo à l'Allemagne qui pour l'instant mène. Il va suffire d'un seul kill et ensuite jouer la montre pour gagner ce match ou alors d'éliminer les adversaires. Voilà, alors là deux options pour les Allemands. Soit ils attendent les 50 secondes, soit ils éliminent tous les joueurs restants. Paf. Plus qu'un seul, c'est un presque triple kill, double kill. Ah oui, kill. C'était énorme, au lance-patate, hein, semble-t-il. Lance-patate. Et donc là, si toute l'équipe meurt côté CIS, il ne reste plus qu'une seule personne, eh bien ce sera terminé. Voilà, on est... Les Allemands, attention aux Allemands qui ont eu l'info. Ont un niveau stratosphérique sur Overwatch, donc ils peuvent se débrouiller dans ce style de jeu assurément. Attention, c'est ici peut-être le dernier duel, Xavier, entre incroyable le seul timing. Joueur du CIS qui tend les escaliers et c'est terminé. Tous les joueurs sont All players eliminated. Et donc là on a bien compris ce qui se passait. C'est une égalisation. Oui, CIS également, les experts, tout à fait, CSI. Ah non, c'est CSI. CSI Miami. Oui. Rien à voir. Rien à voir, le chat évidemment, encore une fois, confus. NCIS, bien sûr. Ou NCIS. Alors, oh là là, il va dans les settings alors que c'est interdit, attention. NCIS, d'accord. Attention. Alors, nouvelle manche, nouvelles aventures, nouvelle vie, nouveau regard sur ce match entre l'Allemagne et les pays indépendants du Commonwealth. Tout à fait. Pas de combat pour l'instant. Nous sommes dans les 30 premières secondes de jeu. Belle ambiance en tout cas dans ce stage hivernal. Cette base abandonnée militaire hivernale, tout à fait. Xavier, base pourquoi intéressante. Ça tout le monde campe dans positionnement ses bases, voilà. Personne n'ose vraiment avancer puisque on adopte peut-être une nouvelle stratégie, celle de rusher la zone dégueulasse à la fin du countdown. Déjà 1 minute 12, plus la moitié du temps. Écoulé. Et là, le problème, c'est que s'il y a un seul frag d'un côté, on va arriver au life advantage assez rapidement. Attention, deux joueurs devant, dans le corridor. Devant le joueur allemand. Et ça y est, il y a déjà eu 2 kills. Un côté allemand, 3 kills maintenant, incroyable, ça allait très vite. 4 kills, 6 à 2, l'Allemagne qui a été extrêmement efficace. Oui, une exécution sommaire. Absolument, hein. Probablement un flanking bien placé. Un quadra kill. Des pouvoirs spéciaux extrêmement bien utilisés. On a Reject Full Life pour Nuki qui est en train d'avancer et de rejoindre son équipe. Ils sont groupés, prêts à faire les deux derniers kills restants. Incroyable.
alors qu'il agite son pistolet comme un bébé agiterait son chat. Dans un décor de carte postale, mon cher Xavier. C'est hallucinant. On se cherche, hein, on a du mal. Ah, on y passerait bien nos vacances. Attention au TK quand même. 6-1, il ne reste plus qu'un seul kill, voilà. Et là, attends, 10 secondes. Et c'est Finargot qui va décéder, il meurt de décès. Et là, il n'y a plus d'espoir, c'est gagné pour l'équipe allemande qui, dans 5 secondes, aura le life advantage, à moins que le joueur CIS élimine tous les joueurs plus 6 fois la même chose. Non, c'est gagné, évidemment. C'est un 2-1 pour l'équipe allemande. Tout à fait. Ah, voilà, on voit ça, incroyable. You're in the lead. Stay there. Les Allemands qui gèrent. Alors qu'on a un joueur allemand, semble-t-il, qui est en streak de 6, figure-toi. Mais non. Donc ça joue. Si, tout à fait, c'était indiqué. Un joueur en forme. Assurément. Assurément, il est venu préparé et motivé. Il est venu, et oui, ils se sont préparés, ils l'ont dit. Hein. Les Allemands, normalement, alors, c'est même étonnant qu'ils arrivent à se faire prendre une map. Les grands favoris, hein, pour moi, les Allemands. Ah non, il y a les Polonais. Hein. On va les découvrir après, les Polonais, mais les Polonais également. C'est vrai. Sont venus pour tuer. Nous a-t-on dit, m'a-t-on soufflé à l'oreillette. Loin de moi l'idée, évidemment, de déprécier l'entraînement militaire. Qu'ont subi l'interracine Momo et Jiraya. C'est vrai, durant ces derniers jours. Ils sont forts à faire. Oi, 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 on a failli tout de suite défaillir. Et voilà, premier kill qui est fait. C'est l'équipe allemande, hein, qui a fait 3 kills presque d'un coup. On est à une 10 streak, hein, pour The Tavern. Qui est donc... écoutez, laissez-moi regarder mon téléphone de nouveau. Le temps que tu trouves, on aura perdu la partie ou gagné. Attends, on est en train de remonter, hein, côté Commonwealth. Mon cher Xavier, ouais, non, je vous tiens au courant, on a fait un double kill, c'est un 3-2 actuellement. C'est l'équipe Commonwealth qui mène peut-être une égalisation, en tout cas un match assez serré. On a l'impression que les deux équipes, ont joué au jeu, ce qui serait une première dans ce match et dans ce versus. Alors qu'on a des kills, deux kills, un kill de chaque côté, ce qui nous amène à 2-1, puis un partout sur les 30 dernières secondes. Le match est ultra serré, mon cher Xavier. Tout à fait. Oh, le très beau flanking, hein, le kill par derrière de Nuki qui arrive à se placer. On est toujours à l'avantage allemand, il reste 17 secondes, il faut absolument faire un kill sur un joueur allemand si on veut arriver au 0-0, puis le pop de la zone. Là, il faut absolument rusher. Et ça y est, les 10 secondes pour l'équipe Commonwealth. Ils ont 5 secondes pour tuer quelqu'un de l'équipe d'Allemagne. Très vite, très vite. Aïe, 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 ce n'est pas le cas. Et c'est le life advantage sur 2 secondes, et voilà. Plus 1. Ah, c'est dommage, parce que là, on aurait pu avoir le pop de la zone, tu vois. Ah, voilà, The Tavern. Oh. The Tavern qui est assurément... Alors, si j'en crois mon diagramme... Oui. Mon diagramme et mon pentagramme... Oui. The Tavern est équivaut au poste 1 oui. Du set de poste 2, donc de l'équipe allemande. Oui. Donc, The Tavern serait Lost Aiming de l'équipe allemande, bien sûr. D'accord. Voilà. Alors cela dit, c'est quand même le deuxième de l'équipe. Donc il y a plus fort. Bien entendu. Il y a plus fort que The Tavern. Et voilà, alors que on voit ton ami, Will of Games. Will of Games, solide sur ses appuis. Attention, le pouvoir corps à corps qui fait très mal. Et voilà, c'est une charge. Dans la gueule. Oh, c'est un double kill. Mais c'est un massacre total. Il a compris comment jouer au jeu. Massacre total de Twitter. Qui a totalement fait 4 kills d'affilée. Le rush bouclier. C'est allé extrêmement vite. Il a joué tout seul. Il a éliminé 4 personnes, dont 3 au corps à corps et une après, avec un one robinet ou 2. Mesdames et messieurs, c'est considérable. 6-2, donc déjà pour l'équipe allemande. Là, il s'est passé franchement quelque chose d'absolument sensationnel. Du très beau jeu. Quasi full team, on a fait Lost Aiming, hein, The Tavern, hein, probablement. Et pour l'instant, on reste campé près de cette superbe arène de ce stage hivernal qui nous a tous émus. Non, là, franchement, Twiday extrêmement solide. Bon, les Allemands, en tout cas, c'est un peu le motroco allemand. Exactement, les Allemands qui nous envoient un message fort. Ils nous indiquent que nous allons prendre très très cher à nos petits cucus lors d'Overwatch. Ah, écoute, il ne faut pas spéculer, jeter l'éponge. Bien évidemment, pas ne spéculons pas trop. Vend pas la peau de l'ours. Alors, 2 vies à 2, tu vois, comme quoi, Twiday a beau être solide, il s'est fait remonter. Alors, on voit Twiday, un joueur favori
de cette équipe. Je vous rappelle que les deux équipes jouent debout, car c'est un handicap qui a été imposé. Ils jouaient du Lenovo debout. Par le vote. Oh, c'est un one-shot de la part de Lost Aiming, qui avait chargé son tir de pistolet. Et ce Life Advantage qui fait gagner l'Allemagne sur le fil avec 4-1. Une manche supplémentaire bien jouée. Une exécution digne évidemment du France-Espagne, même score. La grosse cyclue. L'Allemagne gagne. Winner is Germany, bravo. Et oui, beaucoup de poète, c'est très poétant comme ambiance. Poète. Il y a un peu de, voilà, vous êtes des animaux. Nous sommes de retour avec vous. Ah oui, bonsoir. Sur ce casting desk. Hello bonsoir, à tous. Bonsoir, salut à tous. Alors un match éprouvant pour l'équipe du Commonwealth. Je pense que voilà, tout le monde a été éprouvé. Parce qu'il vient de se passer terrible. Alors que les joueurs russes, pourtant. Enfin, les joueurs russes, non, il n'y a pas que des russes, du coup. Mais non, les joueurs du Commonwealth. J'ai mon pote russe, voilà, les joueurs du Commonwealth, bien sûr. Les et ça, shake hands, c'est beau. Shake hands. En tout cas, ils ont pris le tarif alors qu'ils avaient l'air solides sur les appuis. C'est beau l'e-sport. Mais je crois que c'est encore une équipe. De fil. C'est une équipe d'influenceurs, c'est une équipe à la française, finalement. Peut-être. Tu penses peut-être pas une équipe de joueurs qui sont là pour faire le show. Alors que les Allemands sont. Tweeday est bien connu. Les Allemands sont clairement venus là pour manger des âmes. Oui. Terrible. Terrible ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, il nous reste encore un match de Destiny 2. Là, on commence vraiment à saisir ce qui est en train de se passer. On prend l'ampleur du jeu et de sa profondeur. Exactement. Alors, ça va être quoi le prochain match ? Eh bien, le prochain match, ce sera la Pologne. Justement, ces fameux Polonais dont on vous parlait, entraînés comme jamais. Ça fait 3 ans qu'ils se préparent 10 heures par jour à cet événement. 3 ans, Xavier, en effet. Ils étaient sur l'Alpha Destiny, sur le premier, puis ensuite sur le 2. Ils ont beaucoup joué ensemble. J'aimerais qu'on ait un point sur les scores. Je ne sais pas si on peut avoir un point sur le tableau de scoring. Visiblement, j'ai une info s'active. Dans l'oreillette, comme quoi... Nous allons avoir un tableau des scores incessamment sous peu. En tout cas, on espère que vous vous amusez, que vous passez un agréable moment bien sur évidemment. Ce stream Légion GT Force... pas du tout. Légion GTX Challenge, GeForce, GTX... Vaudou 4. Riva TNT. Riva TNT. Bien sûr. Oui, tout à fait. Nous sommes là, nous sommes présents. Nous allons évidemment marquer. Car hélas, même si nous avons eu moult problèmes techniques, évidemment, la publicité doit reprendre ses droits, mes jeunes amis. Donc, ça, incessamment sous peu. Petite pause publicitaire avant de revenir vers ce dernier match. Il faut bien comprendre c'est que pas tout la suite. Publicité. Ah non, mais j'ai dit de la merde en barquette. La publicité excusez-nous. Est nécessaire, Xavier, pour financer l'événement. C'est bon, incroyable, alors que voilà, tout le monde s'esclave en régie. Qu'il est con. Incroyable. Abruti, non, c'est bon. Mongolo. Pas tout de suite. Calmez-vous. Alors que voilà, ça spam ce chat évidemment de le qualité. Le problème, c'est qu'on aurait bien mis des pubs, mais le live était off. Donc malheureusement, il faut bien rattraper tout ce temps de pub qui donc, n'a pas suite, pu être 24 exploité. Minutes de pub. Donc, c'est bon. Estimez-vous déjà heureux. Vous n'avez pas eu de pub pendant que le live était off, ce qui est quand même dommage. Donc il va bien falloir rattraper tout ça, mesdames et messieurs. Donc voilà. Bon, alors, je sais pas pourquoi... Alors qu'on et finalement, dessine que non. Alors qu'on dessine que Madame la Préfète revient. Visiblement, il va y avoir vont revenir. Une petite page de pause. On revient dans 5 minutes. Ne bougez pas, don't go anywhere. Yeah, please.